Voilà, nous nous retrouvons sur le springboard avec les tout dernières icônes sorties depuis la dernière keynote d'Apple, donc avec iOS 7 et aussi OS X Maverick. Donc voilà, vous pouvez constater qu'absolument tous les icônes sont présents. Même le dernier sorti, le dictaphone, avec l'iOS 7 bêta numéro 2. Donc voilà, pour tout a changé, hein. Le dock, les petits points, le wifi juste là, et ça c'est à part. Je peux constater que la batterie a changé, tout a complètement changé. Donc au niveau des réglages, pareil, le menu a aussi changé. Nous n'avons plus la petite ligne grise là, qui apparaît là, mais qui disparaît juste après pour faire place à un menu clair et net. Vous pouvez constater que tous les icônes ont changé, y compris ceux-ci, qui sont en bleu maintenant. Les boutons d'activation sont devenus verts quand c'est actif et blanc. Donc rien de plus. Hein, donc on va se rendre dans Winterboard. Pas trop important, on va pas s'attarder dessus, on va plus aller dans Select Totem. Et tout ce que vous aurez seront à partir des deux du dessus, vous y faites pas attention. Donc voilà. Vous avez tous ces trucs à cocher, ces catégories, tout ça. Vous ne devez pas changer l'ordre des éléments, ils vont venir au fur et à mesure et faut laisser ça comme ça. Ça c'est juste un autre tweet que j'ai installé pour avoir les petits points wifi qui sont juste là. Ça dit la wifi en fait. Donc on va se rendre dans Cydia et vous montrer comment avoir ce thème que je vous montrerai dans la description. Qui sera là, dedans. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez dans source, vous allez dans modifier, ajouter, gnagnagna. Voilà, c'est bon, vous tapez ce qu'il y a dans la source. Vous faites copier-coller si vous utilisez Safari et YouTube, ce qui est largement plus pratique. Et vous aurez cette source. Vous descendez. Vous descendez jusqu'à iOS 7 ici. Voilà, il est en version 4.2.3. Moi je l'ai eu en 1.0. Voilà. Tous les jours vous aurez une mise à jour qui va être installée dans les nouveautés. Donc voilà pour le thème et pour les petits points de wifi. Donc là c'est actuellement installé. Vous allez dans pack. Enfin, vous allez dans source, vous allez dans mode my. Mode my. Et voilà, vous tapez iOS 7 Wi-Fi carrière DOT. Vous allez juste taper Wi-Fi iOS 7 Wi-Fi, puis vous avez déjà packé. Donc ça, vous l'installez et voilà ce qu'ils disent. Vous aurez les trois petits points. Donc on sort en temps les screenshots et vous allez voir ce que ça donne. Voilà tout ce que vous pouvez avoir. Moi je n'ai installé uniquement que celui-là, le petit tout le thème d'iOS 7. Donc sur iPhone je vous conseille vraiment de le prendre, comme ça vous ferez juste plaisir en ayant ce thème. Donc c'est pareil, tu quittes, vous rendez dans m'afficher mon dossier. Voilà, merci. Hop, Winterboard, vous allez donc dans les select thèmes. Et voilà, pour les iPods, vous installez au moins ces deux-là. Vous le mettez dans cet ordre parce que sinon, les petits points, le petit point qui n'est pas entièrement rempli, il va être à gauche au lieu d'être. Parce que moins classe. Voilà. Donc voilà, quand vous aurez téléchargé ça, vous aurez tout ça juste ici. Pour Siri, j'ai pas fait le test parce que bien entendu, je ferai peut-être 4 qu'il n'y a pas, mais je l'ai coché comme ça, ça évite d'avoir des problèmes. Vous pouvez constater que dans les centres de notification, vous avez le flou derrière qui est très bien refait. Donc voilà, vous pouvez aussi aller dans. Si vous avez à Oxo, il y aura une petite. Nouveauté concernant ce tweak, car le thème prend aussi en compte Oxo. Vous voyez, il y
Là, il y a les petits icônes qui s'éclairent dès qu'ils sont actifs. Le fait de luminosité n'a pas beaucoup changé, et puis en dessous c'est la même chose. Bref, tout a été refait, c'est pareil pour NC Settings. Moi je vais pas installer parce que franchement j'en vois aucun intérêt, vraiment que j'ai Oxo. Ce qui permet de réinventer le multitâche, je trouve ça juste génial, vous voyez même les petits trucs. Si on se rend aussi dans les musiques, vous aurez aussi une petite nouveauté. Bon, je parle pas de iRadio parce que il n'y est pas. Mais vous pouvez constater que les barres ont un peu changé, ce sont du flou. Qui diable, là non plus ça n'a pas changé. Je sais pas, par exemple on prend ça, vous voyez. Tout ça a changé.